le développement de la logistique au Maroc est en marche depuis déjà quelques années. Il y a eu de très très grandes avancées, que ce soit sur les zones logistiques, sur le développement des 3PL, les prestataires logistiques 3PL ou 4PL, que ce soit avec des acteurs internationaux ou des acteurs locaux. Maintenant, il y a encore un certain nombre un chemin à parcourir, entre autres sur les PME marocaines qui ont encore du mal à s'externaliser, à externaliser leur logistique, ou bien à améliorer leurs process en interne et à prendre conscience réellement de l'enjeu de la supply chain dans la performance de la supply chain et de l'entreprise dans sa globalité. Mais aujourd'hui, avec en particulier l'appui de la MDL, du programme de PME Logis, on sent vraiment que les choses sont en train de bouger. Les acteurs, y compris locaux, y compris des PME nationales, commencent à prendre conscience du rôle vital de la performance logistique pour leur entreprise. L'ESI est un élément vital pour le développement parce que l'ESI sans ESI, c'est difficile de rationaliser et d'accompagner, de supporter les process qu'on veut mettre en place pour augmenter la performance, pour augmenter la fiabilité des informations, la traçabilité des produits, la traçabilité des biens au sein de toute la supply chain. Et puis aujourd'hui, on est en train aussi de prendre le virage de la digitalisation des entreprises. La supply chain en fait bien évidemment partie puisque c'est un secteur qui est complètement transverse au sein des entreprises. Donc les SI sont là pour apporter des solutions, pour supporter des process pour améliorer la performance et la productivité des entreprises. D'abord le last mile, un surcoût, mais c'est un coût nécessaire. Il faut forcément amener le produit au plus près du consommateur. Maintenant, aujourd'hui, par des plateformes collaboratives, que ce soit sur le transport, sur le partage des moyens de transport, tout type de moyens de transport, à la fois professionnels, mais on le voit aussi dans des pays occidentaux, au travers de sociétés comme Uber ou autres, où on va partager de l'espace pour pouvoir livrer au plus proche du client à moindre frais. Mais c'est un mal nécessaire parce qu'il faut de toute façon qu'on apporte au centre des cités les produits au plus près du consommateur. Donc les SI vont être là pour apporter des solutions essentiellement collaboratives entre les entreprises, entre les consommateurs ou les distributeurs. Oui, on a tout niveau de solutions. Il y a des solutions des SI plus ou moins complexes. Et puis il y a aussi, bien entendu, l'émergence du cloud depuis maintenant quelques années, mais qui permet de donner accès aux PME à moindre frais, sans investissement initial important, sans investissement logiciel, des solutions pour leur permettre de profiter de ces nouvelles technologies et des SI pour améliorer leurs process. We'll be right back.